présente notre école qui s'appelle Collège Notre-Dame de Balamante. On est ici à l'entrée de l'école et voici le parking des enseignants. Nous sommes là dans le hall. Nos dessins ont été affichés comme décoration. Et ce sont mes dessins. Notre école participe à de nombreuses compétitions comme le sport, l'environnement, le théâtre et la musique, l'art. Alors, Elsa, où te trouves-tu maintenant? Je me trouve à l'infirmerie, Quand les élèves viennent ici? Ils viennent ici quand ils ont mal ou ils sont tombés ou on les a appelés pour prendre leur température, leur mesurer et leur peser. Et ils viennent ici quand ils ont mal quelque part. D'accord. Est-ce que le docteur se trouve ici? Oui. Alors, on va lui demander quelques questions. Docteur, elle est là ou... Ah, voilà. D'accord. Avec mon mari. Oui, ça va, c'est pas grave. Donc, on voudrait juste savoir, vous en tant que docteur de l'école à Balamane, quelle maladie vous rencontrez le plus fréquemment et quel cas arrive ici à l'infirmerie? Oui, bonjour. Un peu de fièvre, un peu de mal à l'aise, vomissement parfois diarrhée. Et est-ce que vous procédez... La plupart des enfants sont tombés durant la période de l'école. D'accord. Est-ce que vous procédez à des visites médicales? Oui, bien sûr. Chaque élève devrait être examiné ici. Chaque année? Une fois par an. Et qu'est-ce que vous faites pendant ces visites médicales? On prend la taille, leur masse, on examine leur cœur, la squelette, les poumons. D'accord, donc pour s'assurer de leur bonne santé. D'accord, merci. Au revoir. Alors, Sacha, ici, on se trouve dans un des couloirs. Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau? Sur ce tableau, il y a des dessins. Et qui a fait ces dessins? Ces dessins, la complète du dessin s'appelle Madame Salam. D'accord, et pourquoi, à ton avis, elle a mis ces dessins ici sur le tableau? Alors, Grégory, ici, toujours dans le couloir, est-ce que ces dessins ont été faits par la maîtresse? Non. Par qui, alors? Ils ont été faits par les élèves de la OB1D. La maîtresse leur a coupé les formes et chaque élève a trouvé un nom rigolo. Comme celui-là, il a été Kachati et celui-là, Sasuki. Et qu'est-ce que ça représente, ces personnages? Ah, des extraterrestres. D'accord, merci. Alors, Mariam, ici, on voit des escaliers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve au rez-de-chaussée? En bas, il se trouve le lycée. Ici, il se trouve
Maria, ici, tu peux nous expliquer à quoi sert cet endroit? Oui. Et à faire des fêtes pour l'école, comme l'indépendance. D'accord, merci. Alors, Gisèle, quel est ce bâtiment au fond là-bas en pierre? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Nous prions une fois par semaine. D'accord. Oui.